Laval, maintenant que tu es à l'âge de 16 ans, tu dois être le roi des lions. Mais je peux pas, moi, je peux pas me retenir, je peux pas être comme ça depuis que mon père a disparu. Tu n'as pas le choix, Laval. Tu dois le faire. Tu le dois le faire. Sinon, qui va protéger le chi et la tribu des lions? D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Laval? Eh ben voilà, je suis devenu un roi. Félicitations. Non, tu parles d'une félicitation. J'aime pas devenir un roi. J'aime pas contrôler une tribu. Une tribu. Mais pourquoi tu vas contrôler? Bah parce que mon père a disparu. Et c'est grave? Oh, tu as rien compris, Iris. Bon, écoute. Si tu veux, si tu as compris, tu restes ici. Si tu n'as rien compris, tu demandes à Lennox. Moi, c'est pas mes affaires, en tout cas. J'en ai rien à faire. Attends, Harry. Puisqu'il a Laval. Il va devenir roi, et voilà. Va-t-il avoir une couronne? Oui, c'est sûrement. Sera-t-elle en or? Je sais pas, moi, si tu me poses des questions impossibles. C'est pas moi la reine, hein? Bah, si, tu as une diadème. Bye, faut que j'y aille. La folle. Si elle a un diadème, s'il va avoir une couronne, je vais la voler. Il n'y a pas un autre voleur que les corbeaux.